Allô les amis, donc on se retrouve sur quelques dernières pêches avant la fermeture du lieu. Donc là, j'ai changé de stratégie, je me suis mis entre guillemets montage feeder. Donc on verra ce que ça donne. J'ai laissé celle-ci là, montage classique, et j'ai mis de la Tiger. Et le reste, les deux premières là, c'est montage feeder. Puis j'ai mis de la graine, du maïs, Tiger et autres. Donc voilà, j'ai fait ma petite mixture maison suite à des conseils d'un ami. Puis on verra ce que ça donne. Donc comme vous voyez, 6 degrés ce matin avec de la brume. On sent que l'hiver se rapproche. À la cabane avec le papy et la famille. Voilà. Allez, à plus tard les amis. Ou un poisson peut-être. La cabane hein, pour les frileux, les amis. Voilà. Regardez, ils sont tous dans la cabane, regardez. On dirait des poules qui rentrent le soir. Non, c'est le matin. Voilà. Oh, désolé. Ah, c'est pareil. Il y en a qui pêchent comme d'habitude. Hein. Avec deux cannes là-bas, fruitées. Et après, il y a une carnée qui part, je sais pas où. Plus vers moi là-bas, voilà. Allo les amis, donc on se retrouve pour une petite récap, c'est 9h30 là. Donc ben j'ai changé de d'appât. Donc je suis passé sur de la bille de 10 et puis un petit stick de farine et du baby corn. Et donc, trempé dans un trempage maison, hein, comme d'hab. On verra ce que ça donne. On les a vus un peu bouler tout à l'heure là, à ce niveau-là. Donc on verra ce que ça donne. Ils sont sur le coup, mais ça fait froid. Donc j'espère que ça n'aura pas cassé le coup avec le froid. Bon, il y a de l'eau. Hein. Il y a quand même à peu près 2,50 m 3 mètres d'eau. Donc on verra ce que ça donne. Sinon, on a eu un bide tout à l'heure, hein, comme vous avez pu le voir. Mais rien, à part cela. Donc on va persister. Et puis on verra ce que ça donne. Hein. Là, le brouillard s'est levé, le soleil arrive, et comme vous voyez, il y a même un invité. Hop là, sorti aussi. Il prend l'air, il prend l'air. Donc voilà, donc je vous reprends tout à l'heure, hein, suivant s'il affiche, ou sinon pour une récap. Hein. Allez, Bibi, à tout à l'heure. Non. Voilà.
une chitio de coco. Un bon petit début. Allez. Bisous. Allez, 30 kilos. Ouais, au moins. Hein? Ah. 2 kilos 5, 2 kilos 3. Eh ben. Hello les amis. Donc c'est 11h, donc on a fait un petit poisson, une petite coco de 2,5 kg. Elle s'est roulée sur la part, remis de raid que j'avais mis. Et elle s'est roulée dessus parce que ça l'avait pris sur le côté. Donc mis à part ça, ben, très calme, pas de fouille, pas de saut. La friture c'est pareil, elle boule pas, elle mouche pas, rien, c'est bizarre. Mais bon, on va continuer, on va persister. Là, je viens de refaire des petits sticks. Là, j'ai changé mes billes. J'ai mis maïs chaîne vie. Avec un petit stick. Et puis voilà. On verra ce que ça te fait. Et j'ai mis un petit dumbbell à la place de la bille. Puis on verra ce que ça donne. Voir si ça peut décrocher. Déclencher un petit poisson. C'est une pêche très très dure. Mais bon. Ça me choque pas. Parce qu'avec les températures qu'il y a. Le froid qu'il y a eu en 2 jours là, ça me choque pas. Donc voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Puis, hein, merde. Hein. Eh les amis, désolé, hein, il y a du vent, je sais pas si ça s'écoute. Hein. Donc on fait un petit récap. Donc je vous ai dit que je pêchais un peu plus loin par là. Donc Romine Red, pelé de 8 mm avec 2 billes de 12, impeccable. Donc on a relancé, on a fait 2-3 départs comme ça. Et on va rester comme ça. Pour le moment, et puis si ça marche pas, on changera de technique. Donc mon père est toujours en RAS, il essaye de trouver la bonne combinaison pour essayer d'en décrocher une, au moins une, mais c'est assez dur. Donc voilà, donc on verra ça tout à l'heure et je vous reprends dans quelques temps s'il y a un poisson. Allez, bye. Voilà. Ça les occupe. C'est les jeunes. Est-ce que vous avez les mêmes chez vous, les amis? Assis, de dos, téléphone. Est-ce que vous avez les mêmes? Répondez-moi en commentaire. Et ça, vous avez les mêmes aussi? Ça barbote dans l'eau. Cinq heures plus tard, les amis, regardez.
Toujours pareil. Hein. Pas changer de position. Ouais, bien sûr, ça écart plus tard. Ouais. Hein. Déjà, lui, depuis qu'on est arrivé, il est comme ça. Donc là, c'est bientôt 17h. Donc depuis 8h25. Alors moi, ça fait depuis un peu manger. Hein. Oui, ça fait 4h. Bientôt 5. C'est la belle vie, hein. Manger, jouer, dormir. Manger, jouer, dormir. Eh ben. L'épuisette pour le tapis. Bon, quand tu veux, t'arrêtes de secouer. Ça va, elle va me sucer maintenant. Elle voulait me sucer. Il est bien nerveux. Allez, le coup. Vite fait, là. Un kilo deux. Allez. Ouais. Voilà, à peu près le même gabarit. C'est bon, là, elle fait combien? Ah oui, 200 grammes de plus. Un œil. En plus, j'allais la changer celle-là. Les amis, donc là je pense qu'on va pas tarder de plier hein, parce que c'est vraiment calme. Donc là on a fait 3 de sortie, hein, des petites. Je pense que c'est dû au froid hein, qu'il y a eu là ces quelques jours. Ça les a calmés. Donc voilà, ça fait, c'est les choses de la vie. Hein. C'est parti de la pêche. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Ce sera une petite vidéo hein, du coup. Hein. Puis tarder de plier. Ça changera d'habitude. Donc voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si le cœur vous en dit. Voilà. Allez, je vous dis à bye bye. À bientôt les amis.